porte est fermée. Et une évolution à 360 degrés qui est réalisée par le pilote. Figure. Le stack à 4 devient un double stack à 2. Rotation. Donc les deux équipes vont se séparer pour former une dernière figure. Cette dernière figure est la figure reine du voile contact, que l'on nomme le diamant. Donc ils vont former un losange avec les voiles. Vous voyez, c'est du pilotage de précision, hein, à l'instar de nos camarades de la patrouille de France, par exemple. Il faut réussir à piloter sa voile pour venir à quelques centimètres de cette camarade et enfin leur donner la voile. Donc le fermeur vient petit à petit glisser. Donc tout ceci se fait comme pour un avion, c'est-à-dire qu'on va déformer la voile, le parachute. Donc avec des commandes pour agir sur les arrières, donc à gauche et à droite, mais aussi on touche aux élévateurs avant pour pouvoir faire accélérer ou pas la voile, la faire descendre, la faire monter. Donc là on a une belle évolution d'un diamant avec un beau 360 et vous pouvez apercevoir d'ores et déjà le drapeau tricolore qui vient finaliser cette belle figure, un beau face public. Donc vous voyez, ils sont retenus par les chevilles, hein, les pieds dans les suspentes des camarades. Donc parmi toutes les suspentes, certaines ont des couleurs différentes, sont rouges, elles sont renforcées, et c'est bien avec celles-ci qu'il faut s'accrocher. Donc là, ils vont venir vers nous, vent arrière, séparation, et un des équipiers va lui aussi sortir un second drapeau, le drapeau de l'armée de l'air. Et voilà, vous l'avez vu, celui qui est le plus à votre droite. On va faire un petit rassemblement avant d'entamer une belle chenille et le leader, Malvin, va commencer une évolution. Pour poser en sur-vitesse, vous allez voir, elle va déformer sa voile.